je souffle, on se voit à peine. Y'a carrément plus d'oxygène. Je me roule une dernière tranche des dames. Et puis j'ai plus les yeux qui tiennent. À qui que le fils du vieux chichon est venu me chercher. Mais comme il était fin détruit, il a eu du mal à me trouver. C'est lui qui a la recette. Et puis les ciboulettes. C'est lui qui taille les feuilles, il sait même plus où les mettre. On roule au parmesan, au gingembre, aux gruyères. Aux épinards, si on a rien, c'est bon parce qu'il y a du fer. Toute la tribu s'est réunie dans la piole à Samir. Mais comme il a paumé la clé, y'a plus moyen de sortir. Et y'a son frère couché par terre dans un état de zen. Qui voit des nains qui poussent petit tout rouge avec des ailes. Dans tout l'étage, j'entends son vieux qui braille. On y a tiré le papier water, c'est pour rouler la paille. C'est bien la première fois qu'on voit son père hurler comme ça. Il est vraiment pas digne de la tribu des Rastas. Après quelques émanations torrides, on était cuit. On a même vu quelques lapins se taper un parapluie. Putain, c'était terrible, on ne voyait plus que des ombres. Et puis les lapins qui revenaient toujours en surnombre. Mes frères grimpaient l'un après l'autre au-dessus de l'armoire. Pour bien arroser la moquette à grands coups d'arrosoir. On n'a jamais rien fait pousser, ce n'était pas la peine. Dans la cuisine, on a trouvé un sachet de verveine. J'entends des sirènes. J'ai mangé mon peigne. T'as les cheveux qui saignent. T'as les bras qui traînent. J'entendais des sirènes et puis maintenant je les entends plus. Non mais faut que t'arrêtes la verveine, c'est ça qui te fout la lue. La lue a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. Et puis toute cette fumée qui s'échappait en s'échappant. Il faudrait que j'ouvre la fenêtre, on va quand même pas crever là. Ce serait vraiment pas digne de la tribu des Rastas. Journée, un mec a défoncé la porte. On a voulu la sauver, c'était trop tard, elle était morte. Des gars ont débarqué avec leurs jolis casques en fer. Et puis de gros tuyaux, des rouges, des bleus, des jaunes, des verts. Ils arrosaient par terre, je ne comprenais pas. Vu qu'on avait essayé hier et puis que ça marchait pas. Quand j'ai mieux vu ces gars-là, tout autour de moi. J'ai tout compris qu'ils étaient là, voilà pourquoi. La fumée qui s'est échappée a déclenché l'alarme. On était déjà bien déjantés, ça faisait un vrai vacarme. J'étais fini, je voyais la marée monter. Donc y'a plus d'espoir là, c'est sûr, on va crever. Mais heureusement d'un coup ils ont arrêté leur fontaine. On a roulé leurs tuyaux pendant qu'ils coupaient leurs sirènes. Ils nous ont même offert leur hache comme on n'en avait pas. Ils sont devenus dignes de la tribu des Rastas. Excuse. Dans la vallée. Encore une fois.